Bonjour à tous. Cette vidéo s'adresse aux grandes sections. Nous allons parler des lettres ascendantes. Après les avoir tracées dans la farine, nous allons maintenant essayer de les écrire entre les lignes. Alors, avant de passer au cahier, je vous ai demandé de photocopier un document que vous pouvez mettre sous plastique. Donc ça, c'est une feuille en plastique. Alors, je ne me souviens plus si je vous en ai donné une. Donc ça, c'est une pochette en plastique. Vous pouvez mettre le document que je vous ai donné en dessous du lien pour pouvoir effacer si l'enfant se trompe. D'accord? Avant de commencer l'écriture des lettres ascendantes, je vais vous rappeler le code des lignes. Alors, la première, c'est la Terre. Donc, la plupart des lettres commencent au niveau de la Terre. Ensuite, nous avons le ver. Alors, le ver, c'est l'herbe. Il y a des lettres comme le A, E, I, O, U, qui ne vont pas plus haut que l'herbe. Ensuite, nous avons la ligne du ciel. Alors, certaines lettres, comme les lettres L, H, B, vont jusqu'au ciel, alors que d'autres s'arrêtent en chemin, comme le D ou le T. Enfin, la ligne rouge est la ligne du feu. Il y a des lettres qui ont des boucles ascendantes, comme le F, le Y ou le Z, et qui vont jusqu'en dessous. Voilà. Alors, aujourd'hui, les lettres ascendantes. Je vous rappelle qu'il y a le E, L, H, B et K. Je commence par le E. Le E commence sur la terre. Et puis ensuite, je vais monter jusqu'à l'herbe. Je commence à la terre, sur la ligne de terre, et je monte jusqu'à la ligne verte. Et puis ma boucle tourne. Et ensuite, je fais la tâche. Voilà le E. À ton tour d'essayer. Ensuite, je vais faire le L. Le L va commencer sur la ligne de terre et va aller jusqu'à la ligne ciel. Alors, je commence sur la ligne terre. Je monte jusqu'au ciel. Je fais ma boucle. Et là, attention, je vais redescendre verticalement, de haut jusqu'en bas. J'arrive en bas. Et je fais mon attache. À partir de là, tu vas pouvoir combiner ces deux lettres. Effectivement, quand on dit le livre, le lapin, le téléphone, on va pouvoir, avec ces deux lettres, écrire le. Comment? Je te montre tout de suite. Je commence en bas, sur la ligne terre. Je vais commencer par le L. Le L. Je descends verticalement. Et là, je vais enchaîner avec le E. Je commence sur la terre et je vais jusqu'à l'herbe. Voilà. J'ai écrit le. Maintenant, j'ai un autre mot aussi à te proposer. L. Par exemple, quand je dis... Elle est en train de parler. Elle qui désigne une fille. Alors, regarde, comment j'écris elle? Eh bien, je commence déjà par faire un E. Donc, le E, je commence sur la terre et je vais jusqu'à l'herbe. Le E. Ensuite, je fais un L qui va jusqu'au ciel. Je descends verticalement. Et j'en refais un autre. Je remonte jusqu'au ciel et je redescends de bas en haut. Et là, je vais faire un E, un dernier qui va jusqu'à l'herbe. Et voilà, j'ai écrit L. En combinant les deux lettres, j'ai écrit le et L. À toi d'essayer. Alors, il nous reste encore trois lettres à apprendre.
La première, c'est le B. Le B. Alors, pour faire un B, c'est comme le L. Je commence sur la ligne de terre. Je monte jusqu'au ciel. Je redescends de bas en haut. On y va. Et puis après, je vais vous montrer, il y a juste une différence. Je monte jusqu'au ciel. Je redescends verticalement. Et puis là, je vais remonter un peu plus haut. Et juste avant de toucher l'herbe, je vais faire une petite boucle. Comme ça. Et voilà, j'ai le B. À toi d'essayer. Tu peux regarder plusieurs fois comment je l'ai fait. D'ailleurs, je vais te le refaire une deuxième fois. Le B, je commence sur la terre. Sur la terre. Je vais jusqu'au ciel. Je redescends de bas en haut, verticalement. Et là, au lieu de m'arrêter comme si j'allais faire un L, je vais faire une petite boucle. Je vais vers le B et hop, je tourne. Très bien. Maintenant, le H. Le H, je vais faire exactement la même chose que le L. Ça revient au même. Donc, je commence sur le trait de la terre, je monte jusqu'au ciel, je redescends verticalement et là, seulement là, ça va changer. Donc, je commence comme le L. Je commence sur la terre, je monte jusqu'au ciel, je redescends verticalement jusqu'en bas. D'accord ? Quand je suis là, sur la ligne terre, je fais un pont en remontant sur la même ligne. Je vais jusqu'à l'herbe et je redescends. Encore une fois, je commence sur la terre. Je monte jusqu'au ciel. Je redescends de haut en bas verticalement. Je vais faire un pont qui monte sur la même ligne jusqu'à l'herbe. Et ensuite, je redescends. Et je m'arrête en faisant la tâche. À toi d'essayer. Tu sais, ce n'est pas grave hein, de se tromper la première fois. On va s'entraîner, on va le faire, on va le refaire. Tu peux le faire plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Alors, une dernière fois, le K. Le K. Le K, ça va être comme le H. D'accord ? Seulement, on va rajouter en descendant une boucle. Je te montre. Je vais même effacer les deux H que j'ai fait et je vais te montrer. Donc, je commence sur la terre, je monte jusqu'au ciel, je descends verticalement, tout droit, de haut en bas. Puis, je monte sur la même ligne, je fais un pont jusqu'à l'herbe. Attention, en redescendant, je vais vers la ligne verticale, je fais une boucle. Et je redescends. Et je fais la tâche. Haha, pas facile celle-là. C'est une des plus dures de toute manière. On y va? Je recommence. Je commence sur la terre. Je monte jusqu'au ciel. Je redescends de haut en bas, verticalement. Puis, je remonte sur la même ligne. En redescendant, je vais vers la ligne verticale. Je fais une boucle et je redescends en faisant la tâche. Voilà, nous avons vu les 5 lettres ascendantes. Tu peux le refaire sur ton ardoise si tu veux essayer. N'hésite pas à m'envoyer des photos de ce que tu as fait. Bon courage !